Est-ce que tu sais te présenter, Célim? Tu sais dire je m'appelle Célim, tu as quel âge? Je m'appelle Célim. Alors. Je m'appelle Céline. Très bien. Alors, la première leçon est comment se présenter. Donc, quand tu vois par exemple un nouvel ami, une nouvelle personne, la première chose que tu demandes, c'est comment tu t'appelles, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Comment tu réponds si je te dis comment tu t'appelles? M'appelle Céline. Très bien. Alors, qu'est-ce si je te dis comment ça s'écrit? Est-ce que tu sais me dire comment s'écrit Céline? Ça s'écrit. Ça s'écrit S O Non, ça c'est Sophie. Comment on écrit Célim? S-E. S E L I M. Très, très bien. Alors, quand on dit les lettres de notre prénom, on appelle ça épeler un prénom. Alors, épeler un prénom, ça veut dire prendre le prénom et dire chaque lettre de son prénom comme tu viens de le faire. Tu as compris? Oui. Très bien. Il y a également une autre façon de se présenter. Si je te dis bonjour, je suis Sarah, tu peux me dire coucou, moi c'est Célim. D'accord? Donc, alors, il y a plusieurs façons de se présenter. On peut dire je m'appelle Sarah, on peut dire je suis Sarah, on peut dire moi c'est Sarah. D'accord? Donc, tu peux D'accord. présenter ton prénom de plusieurs façons. Très bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sarah. N'est-ce pas? D'accord. Alors, je vais essayer de vous le dire à vous tous. D'accord? Alors, comment tu t'appelles, Rokaya? Je m'appelle Très bien. Cédra, comment tu t'appelles? Je m'appelle Très, très bien. Lara, comment tu t'appelles? Je m'appelle Très, très bien. Lana, comment tu t'appelles? Je m'appelle Lana. Très, très bien. Selim, comment tu t'appelles, Selim? Je m'appelle Salim. Très, très bien. Donc, lorsqu'on commence à connaître une personne, on demande comment tu t'appelles. Alors, Kinda, on va commencer. Les parents. Les parents, nous avons le père, la mère, donc le père, le papa, la mère, la maman. D'accord? Les enfants. Alors, les enfants, il y a la fille et le fils. Et si tu veux parler de la sœur, c'est la deuxième fille. Si vous êtes deux filles, tu as ta sœur. Si vous êtes deux garçons, tu as un frère. Si tu es une fille et un garçon, tu as un frère et une sœur. D'accord? D'accord. Très bien. Les grands-parents, nous avons le grand-père, qu'on peut aussi appeler papy. Et nous avons la grand-mère que l'on peut appeler mamie. D'accord? D'accord. Très bien. Ensuite, nous avons l'oncle qu'on dit également le tonton et la tante qu'on appelle également la Bonjour. tata. Bonjour Yasmine, comment vas-tu? Ça va. Ça va bien? Très bien. Oui. Est-ce que s'il te plaît, tu Mohamed. peux dire à la caméra? Mohamed. D'accord.
Oui. C'est Mohamed? Je suis Mohamed, je me suis Yassine. D'accord, excuse-moi Mohamed. Ça va? Oui, ça va. Très Ça bien. va bien. Alors, on était en train de faire une révision sur la famille.